Mais t'es un vrai, chérie, t'es un vrai. Comme t'as fait ça, t'es un vrai. T'es un vrai, toi, t'es un vrai. Hein? Bob de Bauer, MacGyver, tout, c'est toi. Ça avance super rapidement. Malgré qu'on n'est pas tous les jours dessus. Enfin, qu'on n'est pas. Jay-Z! 7 868 483. Hello! Bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Jenny et les plus intimes me m'appellent Jen. J'espère que vous allez bien car ici chez nous tout le monde est en bonne santé, Dieu merci. Et donc voilà, vous allez voir que je vais vous montrer plein de petites vidéos par-ci par-là. J'ai mis les vidéos dans l'ordre chronologique, du coup je passe d'un sujet à un autre, c'est vraiment voilà. Et voici notre nouveau frigo, un frigo de la marque Samsung, le frigo de mes rêves. Pourquoi? Car il y a un distributeur d'eau. Et pour couronner le tout, écoutez, il y a une alarme qui s'enclenche lorsque la porte reste ouverte trop longtemps. Et c'est vraiment trop pratique. Quand les enfants ont mal fermé le frigo, bah du coup, on l'entend direct. Il y a aussi deux compartiments fraîcheur, ce qui est vraiment top. Moi qui aime quand les choses sont organisées à leur place. Je peux aussi voir et régler la température. Il y a aussi une optimisation de l'espace. Non, franchement, j'ai rien à dire. Ce frigo, il est vraiment topissime. Et donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un frigo qui donne soif. T'as vu? En fait, t'as tout le temps envie d'appuyer sur ce truc pour avoir de l'eau qui coule directement dans ton verre. Eh ouais, c'est ce qu'on appelle la villageoiserie. Même les enfants, t'as vu? Donc, du coup, en fait, ça fait qu'on a bu beaucoup d'eau cet été. Ma tête de lit. Ouais, ma tête de lit. Youpi! Ouais! Enfin! Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sens pas bien. Qu'est-ce que tu as fini en me regardant comme ça? Hein? Alors là, vous voyez, je suis trop en joie. C'est une tête de lit que je voulais absolument pour pimper mon lit, pour donner un petit genre, un petit cachet à la chambre. Alors voici une lampe que je vais mettre dans la chambre des filles qui vient aussi de chez Jisc. T'as capté, ambiance très boisée, très osier, très chaleureux, on aime. Alors là, mon cher et tendre est en train de faire une saignée dans le mur en fait pour pouvoir cacher le câble de télé qui est trop visible, en plus bleu. C'était trop moche. Ils ont mis la prise téléphonique de l'autre côté du salon, on va comprendre pourquoi. Donc là vous voyez ce moche fil bleu pendre, franchement ça ressemble à rien. Plus tard on mettra la télé contre le mur en hauteur. Et voici ce que ça donne une fois les trous rebouchés avec de l'enduit. Le fil est caché, ni vu ni connu. La pensée, toujours la pensée, on n'en peut plus de penser. Tu fais quoi? Je passe avec le pinceau d'abord et puis avec le rouleau oui, après. Voilà, tu passes un petit coup de rouleau à côté. Surtout les enfants, tu sais que moi, le rouleau, je ne pourrais pas passer. Tu vois. Ok. Ouais, tu vois. Ça va, c'est tous les coups. Oui, vous pouvez. Allez, let's go, les filles. Pas mettre trop. C'est bon, Kalena, t'as mis assez. Mia aussi. Non, je vais comme ça. Je vais comme ça. Ok, c'est bon, les filles. Sur les coins, hein, les côtés, hein. Pas au milieu, hein. Que là où papa il a montré. Non, grave. C'est pas là. Maman, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est pas grave? Qu'est-ce que ça fait comme bêtise en toi qui n'est pas grave? J'étais d'en haut. Et genre, on les laisse les deux faire n'importe quoi. Non, je peux venir, hein, mais on va pas les laisser les deux. Maman, elle dit, on peut pas laisser les deux. Mais non. On peut pas vous laisser toutes les deux faire ça, hein. Attends, t'as dit quoi? Avant de mettre la première couche, il faut enduire. Avant, la prochaine, c'est après celle-là. On ponce encore? Bah ouais, on va pas enduire, je sais plus dans quel état sont les murs. Oh le. Ah ouais, non. Comme je le dis toujours, les enfants adorent nous aider, surtout quand c'est le moment de peindre. Chacun laisse aller son côté artistique, son côté pique.
Picasso qu'ils ont tous en eux et franchement, ils adorent ça. Et puis, on va pas se mentir, ça nous fait plaisir aussi que tout le monde y mette du sien pour l'avancée des travaux. Alors la Chris est en train de construire un lit pour Ethan, un lit que Ethan a pensé, qu'il nous a dessiné. Il nous l'a demandé et redemandé. Son papa est menuisier, donc il lui construit son lit sur mesure au calme. C'est le plan. Bah oui, c'est le plan. C'est le plan. Le plan du maître d'œuvre. Ça, c'est le bureau, sa chaise. L'échelle. Et alors ça, le lit aussi. Ah, ça c'est l'atte, c'est les lattes. Ouais, les lattes. Et ça c'est quoi autour là? Ah, c'est la chambre quoi. Ça c'est le radiateur. Et là, tu lâches pas, hein? Parce que si tu lâches pas, c'est sur moi. Sur en fait, quoi? Chérie, ne bougez pas. Mais c'est Koh Lanta ici ou quoi? Concentrez-vous. Ah, c'est lourd! Laisse un peu, chérie. Légèrement, regarde la vie. Laisse. Bouge plus. Ouais, là, t'as un souci. Ouais, ça te souci. Avec la tête, maman. Ah ouais. On fait quoi? On le descend. Ah, on le descend. Pourquoi? Attends, tout ça pour ça? C'est quoi le délire? C'est juste pour que tu puisses tracer? Non. C'est une blague. C'est pas maintenant, tu crois. J'ai pas fini? C'est fini? Et moi? Mais je peux pas faire ce que j'ai à faire, tu m'appelles. Ah non, je filme pour moi, je peux ou... Ah oui. Oui, ça va. J'ai une petite chaîne YouTube, donc en même temps, je montre un peu les travaux et tout. Ah, donc ça fait de la pub pour Bélissol. C'est quelque chose de spécial, ça c'est pour ça. Ah, c'est pour tenir. C'est pour tenir. Ah d'accord. J'ai jamais vu ça. Donc comme vous le voyez, nous avons eu rendez-vous chez Bélissol pour pouvoir confirmer notre choix de châssis. Ce sera celui-là d'une autre couleur avec la ventilation intégrée, mais que pour une fenêtre par pièce seulement pour pouvoir bénéficier de la prime rénovation. Alors je vous cache pas que le montant du devis était vraiment bonbon, mais on voulait vraiment miser sur la qualité et Bélissol répondait vraiment à tous nos critères. Pour renforcer la tenue, il a rajouté de la colle PU dans les chevilles, plus à l'extérieur, donc sur le mur, pour vraiment être sûr que le lit ne tombe pas. Pour pas qu'en pleine nuit, on entende « rocotop, rocotop, boum !» et l'enfant est tombé. Alors, monsieur, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Ah, l'échelle. Oh là là. Tantôt, il ponce. Tantôt ils glissent. Mais qui est cet homme? Ça me fait penser à la foire. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je mets juste quelques clous et puis je mets les vis. C'est une clou-clouteuse. Cloueuse. Cloueuse. Hey! Hey! L'homme de Galilée, c'est lui. L'homme de mon cœur, c'est lui. On y va ensemble. Je pense qu'on est toutes pareilles. Faire les tâches ménagères en musique, franchement, c'est le top, le must. Perso, pour moi, ça passe beaucoup plus vite et j'y prends même plaisir, en fait, au final. Amen, les gars. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Amen. Enfin, la beauté, moi, là. Wow. Les gars, il ne faut jamais se décourager. Il faut jamais baisser les bras. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. T'inquiète pas, un jour, ça ira. Et je sais de quoi je vous parle. Wouh! La foi. Et voilà, le lit est terminé. Regardez bien, il ne tient que sur un poteau. Ça s'appelle un lit mezzanine. Il est magnifique. Ethan est très content et le bureau viendra par la suite.
C'est reparti, les choses sérieuses reprennent en peinture, en peinture. Je vais peindre tous les contours de chaque porte. L'heure de vérité. Il y aura de la retouche, c'est sûr, mais bon. Alors, t'as fait des bêtises ou pas? Oh, God. Attends. Alors, passons à la chambre des filles. Donc, j'ai voulu faire une déco comme on voit sur Pinterest. Oh, j'adore Pinterest, c'est là-bas que je prends toutes mes idées. Donc, ici, le projet est de mettre du tape pour ne pas dépasser avec ma peinture. Et comme tu es très futé, tu l'as deviné, je vais peindre le bas et pas le haut. Alors malheureusement, il n'avait pas la teinte précise que je voulais, du coup je me suis rabattue sur une autre couleur mais qui est aussi belle. Je tiens à préciser que le pot de peinture, Chris ne voulait absolument pas l'acheter parce que ce n'est pas une peinture Sigma. Mais j'ai tellement insisté qu'il a dit vas-y, prends, ok pour un seul mur. J'étais trop contente. Il y a plus de chipotage à chaque fois. Découper, décaler, décoller. Je suis posé là, je suis en train de voir l'avancée des travaux. Aïe. Ça fait trop du bien. Aïe, aïe, aïe. Ah les gars, je vous jure. Il y a encore plein de choses à faire. Mais juste ça, là, je suis là, waouh. Il m'épate. Ça fait 2 mois et demi qu'on est là et ça a tellement avancé, ça avance tellement vite. Malgré qu'il est très minutieux, qu'il faut faire tout étape par étape, ça avance super rapidement. Malgré qu'on n'ait pas tous les jours dessus. Enfin, qu'on n'ait pas... Jazzy! C'est quoi? Le vent. Oh, ça se quoi? Oh, c'est étonnant. Oh! Est-ce qu'on peut ouvrir la porte comme ça? Comment c'est pas ça? En tout cas, j'ai bien eu raison de faire confiance à Bouakari. You are the best. Tu me fais pleurer. Je vais voir si c'est fermé avant. T'as ouvert la porte et puis Après, je voulais fermer. Mais on a poussé la porte et... Mais tu m'as fait peur. Au bac du singe, tu m'as fait peur, Ethan. Je vais faire une crise cardiaque. Oh. Moment de vérité. Ah, celle-là, elle est parfaite. Celle-là... Oh, hey, tu vois? Tu pensais que j'allais faire n'importe quoi. Waouh! Elle est là, viens voir! Notre chambre est belle! C'est pas trop mauvais. Pour une première, I am proud of mine. Alors, c'est pas beau ça? Chris a repeint les escaliers, il a mis du blanc, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique, ça fait trop plaisir. C'est pas encore ce que mes yeux voient aujourd'hui, mais bientôt les gars, on y arrive, je vous montre le résultat final, c'est magnifique. Alors ce tapis vient de chez Action. Monsieur Claquette Chaussette, passez s'il vous plaît, merci. Parce qu'en fait, comme ça, c'est moche comme ça je trouve, très moche. Donc du coup, je vais couper... ce côté-là et ce côté-là. Ça fait beaucoup d'espace en fait. Je suis jamais venu par là. C'est énorme tout l'espace perdu là. Ça ne s'arrête jamais. Tout ça, il a fait tout ça aujourd'hui. Waouh. T'as retiré tout ça, chérie. Est-ce qu'on m'entend ici, chérie? Monsieur Bob the Bower, Mike Giver. Christopher. Waouh, tout le parterre, il a tout enlevé. Non, il blague pas. Bravo chérie, ouais. T'es un vrai toi. Je sais, t'aimes pas quand je dis ça. Mais t'es un vrai chérie, comme, t'es un vrai. Comme t'as fait ça, t'es un vrai. Ça t'es un vrai toi, t'as, t'es un vrai toi. Hein? Bob the Bower, MacGyver, tout, c'est toi. Waouh. On va planter des fleurs de pampa juste ici. Wow,
voilà, là, nous sommes le lendemain, on avait fait appel à un service de la commune, donc c'était un rendez-vous qui était organisé. Ils sont venus ramasser tous nos déchets verts et ils ont été super sympas parce qu'en fait, il y avait beaucoup trop. Et donc, ils ont quand même tout pris et ça, c'était vraiment top. On les a remerciés en leur offrant un bon café. Oh my god! Comme vous pouvez le voir, leur passage n'a pas été inaperçu. Donc du coup, il a fallu nettoyer le trottoir. Et du coup, on en a aussi profité pour nettoyer notre parterre, enfin la devanture de la maison, quoi. On a lavé toute la façade. C'est trop bien. Donc là, t'as mis du sable et quand c'est sec, là... On nettoie. J'ai pris ma petite boisson. C'est trop bon. Lui, il tombe. On le voit pas, mais on l'entend. Moi, je profite. À la vôtre. C'est doux. C'est doux. Très doux.